街を包む孤独なシルエット動き出せばそれは紛れもなくやつさコブラリビングフルーコブラコブラ。Cobra fait partie de ces nombreuses séries qui, comme Albator, Ulysse 31, Capitaine Flamme, Goldorak ou même Mazinger, qui ont tous un point en commun. Le thème de l'espace, ou en tout cas du futur, en ce qui concerne les robots géants qu'on peut voir dans la série Goldorak ou Mazinger, pour ne citer encore une fois que ces deux-là. Là où la série Cobra les rejoint sur le thème du futur et plus général de l'espace, elle ne les rejoint absolument pas en ce qui concerne l'ambiance, le style et par-dessus tout, les musiques. Cobra est une série à part à tout ça. A commencer par les personnages. Je veux dire, tu prends le Capitaine Flamme. Lui, c'est un personnage calme, qui dans tous les cas préfère réfléchir à un plan plutôt que de foncer dans le tas la tête baissée. Ensuite, tu prends Ulysse, qui lui n'est pas spécialement un héros, c'est juste un commandant de vaisseau, qui va tout faire pour protéger sa famille et retrouver sa femme. Ulysse n'est pas du tout un mec qu'on appelle pour nous aider. Ulysse, c'est un mec normal à qui va lui arriver plein de merde et qui va tout faire pour s'en sortir. Ensuite, tu prends Actarus, de Goldorak, qui lui est un prince d'une autre planète qui est arrivé sur Terre, qui va quand même la défendre contre ses ennemis venant eux aussi d'une autre planète. Même si Actarus est un prince, il bouge son cul pour aider un peuple qui n'est même pas le sien. Pour terminer, tu prends Albator. Le mec est et restera très longtemps incompris et est considéré comme dangereux par les Tariens alors qu'il veut justement leur sécurité et se bat pour la liberté. Et au-dessus de tout ça, tu as Cobra. L'homme le plus recherché de l'univers qui en a justement eu marre de cette vie et décide de se faire opérer pour changer de visage et d'effacer sa mémoire. Pour devenir Johnson, un mec lambda avec une vie normale assisté d'un robot nommé Ben. Le quotidien d'un homme qui est recherché par l'univers entier et qui n'a pas de moment de répit, c'est excitant. Seulement, c'est le personnage lui-même qui a pris la décision d'arrêter tout ça. Et donc, en changeant de visage, il fait passer Cobra pour mort, et en effaçant sa mémoire, il peut se donner une nouvelle chance dans une toute nouvelle vie. Voilà. Rien qu'avec qu'est-ce que je viens de dire... Quoi ? Cobra n'est déjà pas un héros comme les autres. Il était une tête mise à prix, puis cette vie l'a lassé et s'est donné une nouvelle chance. Bref, Cobra était mort. Seulement, quasiment 5 ans se sont écoulés depuis la mort de Cobra jusqu'au jour où Johnson se dit qu'il va se payer un rêve artificiel, sous forme de cassette que l'on insère dans une machine. Mais le rêve qu'il va faire n'est pas le rêve qu'il a commandé. Dans cette machine, il va rêver de son ancienne vie. Ce sont ses souvenirs qui lui sont revenus. Mais après être sorti, il n'est pas complètement conscient que ce sont des souvenirs et non un rêve qu'il a commandé. Et dans la même journée, il a envie d'aller au casino et décide de s'amuser à se faire passer pour Cobra, jusque-là supposé mort. 20 minutes plus tard, cet abruti, à force de se vanter d'être Cobra et d'avoir gagné beaucoup d'argent, va se faire entraîner au sous-sol pour se faire buter. À l'instant où l'un des gardes pointe son arme vers lui, Johnson, pour se défendre et par ancien réflexe, va utiliser son arme implantée dans son bras gauche, le Psychogun ou le rayon Delta en VF. Seulement, il va se faire griller par un oiseau robot qui parle parce qu'il a assisté à la scène et va le reporter au directeur du casino, qui n'est autre qu'un pirate de l'espace qui, par ailleurs, a perdu l'un de ses yeux à cause de l'ancien Cobra. De son côté, Johnson rentre en furie chez lui car il ne comprend absolument rien à ce qui vient de se passer. Et pendant qu'il retrouve la mémoire, le directeur du casino est en route pour le descendre. Seulement Cobra est de nouveau présent et lui fait remarquer qu'il a oublié sa vieille complice, Armanoid, qui est restée tout ce temps à côté à veiller sur lui dans le robot Ben. Alors oui, c'est raconté très vite, mais c'est normal, l'épisode est comme ça. Et toute la série est comme ça. Mais surtout, Cobra n'est pas du tout un héros comme les autres. Est-ce qu'il est fort? Oui. Est-ce qu'il se bat? Non. Cobra ne se bat pas. Cobra, il t'explose la gueule. Putain, ça change de Capitaine Flamme. Et c'est aussi là qu'on voit qu'Armanoï n'est pas juste une femme qui est dans la série juste pour être sauvée. Elle sait se débrouiller, surtout à main nue. N'est-ce pas? Mais plus sincèrement, cette série, aussi bien dans l'humour que l'action, les musiques, le charisme des personnages et plus précisément celui de Cobra, sont vraiment travaillés comme il faut. L'humour de Cobra, surtout en VF, c'est de l'or, tout simplement. Elles sont toutes retournées chez elles et je reste tout seul. Oh, c'est difficile la solitude quand on est un Casanova. C'est pas tellement commode de parler avec une armure qui n'a pas de tête. On pourrait peut-être monter un très beau spectacle. Ça plairait beaucoup aux amateurs de fantômes, ces armures sans personne à l'intérieur. Y a pas de honte à fuir quand c'est la seule solution, pas vrai? Le mec s'en branle de tout,
Quelquefois, rien n'est vraiment pris au sérieux. Cobra a une très grande confiance en lui, aussi bien pour se battre que pour draguer. Dans quasiment tous les épisodes où il y aura une femme, tu peux être sûr que Cobra va essayer de la serrer dans un coin. Mais à part ça, on ne sait presque rien de Cobra, de ce qu'il a fait ou vécu dans son ancienne vie. Cobra est là, tout simplement, et il pète des gueules tout en se marrant, et c'est tout. Et d'ailleurs, si tu ne le savais pas, même si je pense que c'est un truc très connu sur ce manga et que tout le monde connaît d'ailleurs, mais que je vais quand même redire dans cette vidéo parce que sinon j'irai en enfer, le visage de Cobra avant son opération utilise les traits d'Alain Delon, et le visage de Cobra en blond, c'est-à-dire après son opération, est celui de Belmondo. Voilà, tout le monde connaît, mais il faut toujours en parler. Et en parlant de choses qu'il faut toujours parler, cette phrase est absolument inutile, les musiques. Les musiques sont toutes excellentes. Rien que le générique d'intro en VO parvient à démarquer la série Cobra de toutes les séries de toutes les époques confondues. On est dans une série de SF et on te met ce genre de musique. C'est génial! Et puis attends, là c'est que l'intro. Écoute un peu ce qu'il y a comme musique dans la série. Non mais attends, ça c'est rien, hein. Cobra est un héros badass et il a droit à des putains de musiques badass. Écoute ça. Et ça encore, c'est rien. Écoute ça. Tu veux une musique un peu stressante ou angoissante? Eh bah tiens. Voilà, mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on est dans Cobra. Et qui dit Cobra dit musique de jazz, disco, funk, très années 70-80. Donc, 20 secondes après cette musique qui t'ambiance quand même pas mal, t'as envie d'aller faire la fête après ça, eh bien tu as cette musique. Les musiques, elles viennent comme elles veulent. Et aussi, elles sont composées par Kentaro Haneda, mais pas uniquement lui. Il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe des musiques. Yuji Ono. Oui, Yuji Ono, ce mec. C'est lui qui a fait ça. Oui, cette œuvre, on la doit à Yuji Ono, l'une des musiques les plus angoissantes que j'ai jamais entendues dans un dessin animé. Et elle apparaît dans la série Capitaine Flamme. J'ai fait une vidéo dessus si ça t'intéresse. Oui, je fais ma pub, moi aussi je fais ce que je veux. Et vu que je ne sais pas comment terminer cette vidéo, on va continuer avec les musiques badass. Mais c'est pas tout.
Tout ça réparti sur 31 épisodes de 20 minutes. Alors, j'aurais pu continuer à parler des musiques, seulement il y en a une trentaine. J'aurais pu parler plus en détail des méchants. Seulement, la plupart qui apparaissent ne durent que l'épisode où ils sont. Et d'autres en durent plusieurs, comme, évidemment, l'Homme de Verre, l'un des méchants principaux de Cobra. Tellement principal qu'un film lui est consacré, sorti en 1982, intitulé Cobra le film, qui reprend directement son intrigue de la série. Bref, la série Cobra mérite tellement d'être découvert. Son univers est tellement original et différent de ce qu'on a pu voir en termes de SF. Les musiques sont toutes excellentes. Et jusque-là, il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé et qui concerne la musique. Le générique en VF, chanté et interprété par Olivier Constantin. J'aimais bien ce générique. Jusqu'au moment où je découvre le clip du générique. Bizarrement, chanté et aussi interprété par Olivier Constantin, moi il me fait surtout penser à Christophe Castaner plus jeune. Pourtant, avant chaque épisode, j'adore cette musique. Mais le fait d'avoir découvert le clip, non, ça c'est pas possible, non. Et avant de terminer cette vidéo, pendant mes recherches, je suis tombé sur ça. Un générique parodie qui reprend le générique de base, redessiné et rechanté. Ça m'a fait rire, alors j'ai décidé de l'ajouter.